Salut! Je me présente, je m'appelle Andréane Bessette, directrice de POWER de l'équipe La Team de Feu. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous assurer de toujours dater deux démos à même une présentation grâce au jeu du porte-clés. Donc, le jeu du porte-clés, c'est un jeu qu'on utilisait avant la COVID chez les gens, que j'ai continué d'utiliser dans mes démos, puis qui me permet toujours de m'assurer d'avoir deux démos datées, donc à même une démo, donc de toujours avoir un agenda bien rempli. Donc, pour le faire, vous allez avoir besoin de 5 porte-clés. Ici, moi, j'avais utilisé un couvercle qui était une garantie. Mais si vous n'avez pas de porte-clés, ce n'est pas grave, vous n'avez pas à vous inquiéter. Moi, avant, j'utilisais des petits contenants, donc 5 petits contenants que je mettais dans un plus gros. Ou simplement, vous pourriez prendre 5 papiers que vous mettez dans un contenant. Donc, vraiment, possibilité de s'arranger. Donc, dans vos porte-clés ou dans vos petits contenants, vous allez pouvoir vous allez avoir besoin de 5 petits papiers. Donc, sur les papiers, vous allez pouvoir écrire deux fois le mot « cadeau », une fois « livraison gratuite » et deux fois « partez dans les 14 prochains jours ». Pourquoi 14 prochains jours? En fait, j'ai remarqué que si on attend plus que 14 jours, l'engouement, le momentum, là, tout ça se perd un petit peu. Donc, on est vraiment mieux d'optimiser le tout et de s'assurer de redater dans les 14 jours. Donc, moi, je vais le présenter quand même dans les débuts du party. Donc, je fais vraiment un party sur Zoom parce que j'ai besoin de l'interaction des gens. Donc, je vais commencer le party en remerciant les gens d'être présents et je vais leur parler des trois objectifs que j'ai pour eux aujourd'hui. Le premier objectif qui est d'avoir du fun. Le deuxième objectif qui est de parler des quatre missions à Tupperware que vous connaissez super bien. Puis, le troisième objectif qui est de gâter l'hôtesse au maximum. Donc, la première façon de s'assurer de gâter notre hôtesse, c'est par les ventes, hein, on veut cumuler un minimum de 600 $ de vente. Et la deuxième façon, qui est en s'assurant là, qu'il y ait deux autres personnes qui veulent faire le party par la suite. Donc, je pense que je vais faire un petit exemple de comment est-ce que moi je procède. Donc, qu'est-ce que je dis? OK, donc on va supposer là, que vous êtes maintenant mes invités et on est en Zoom. Donc, on commence. Donc, ben là, je vous ai dit, en fait, on a besoin là, on veut gâter notre hôtesse au maximum. Hein? Donc, comme je vous ai dit, oui, on va avoir besoin des ventes pour gâter notre hôtesse au maximum, mais aussi, on va avoir besoin qu'il y ait deux autres personnes qui disent « Moi aussi, je veux faire le party, moi aussi, je veux avoir des cadeaux. » Donc, pour faire ça, j'ai un petit jeu à vous proposer. Donc, tadam! Donc, j'ai 5 porte-clés. Si les 5 porte-clés sont ouverts ici, notre hôtesse va pouvoir se mériter un cadeau supplémentaire. Donc, je vais donner un cadeau supplémentaire à l'hôtesse là, parce que vous allez avoir ouvert les 5 porte-clés. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mes porte-clés? Et là, je fais un time-out. C'est vraiment important de dire à vos gens qu'est-ce qu'il y a dans les porte-clés. Parce que si vous faites juste leur faire ouvrir comme ça les porte-clés, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Donc, ça serait facile pour eux après ça de juste canceller le party ou juste qu'ils ne voulaient pas pantoute en faire. Puis là, ben ils sont comme pris avec ça. Fait que vraiment les informer. Fait que ben, je vais continuer donc vous montrer comment vraiment moi je les présente. Donc, je vous explique qu'est-ce qu'il y a dans mes porte-clés. Premièrement, il y a deux cadeaux. Ensuite de ça, il y a une livraison gratuite. Puis les deux derniers porte-clés, c'est la plus belle chose que vous pouvez pas piger. C'est moi, dans votre écran, qui anime un party avec votre famille, avec vos amis. Puis ça vous permet d'avoir plein de cadeaux. OK? Mais là, attention! Si votre pire cauchemar, là, c'est de me voir dans votre écran, qui anime un party avec votre gang, puis que ça fait en sorte que ça vous donne plein de cadeaux, mais là, attention, là, faut pas piger, parce que c'est dangereux, hein? Fait que, on y va. Là, en ce moment, je vois dans mon écran Samantha, Noémie, puis Jasmine. Donc, là c'est duel là, de vitesse entre vous trois. Donc, la première personne qui va lever la main parmi vous trois, c'est la première personne qui va pouvoir choisir son numéro. Donc, on va les numéroter là, imaginairement de 1 à 5. Donc, on y va. Êtes-vous prête? 1, 2, 3, go! Fait que voilà, ça ressemble à ça. Et là, je vous dis, le fait de faire le décompte, là,
Le monde, ils ont compris, ils savent c'est quoi les cadeaux, ils savent les risques. En fait, c'est pas des risques, c'est juste plein de plaisir, là. Mais ils savent que, en quoi ça les engage de lever la main. Mais le fait de faire le décompte, c'est les gens, ils lèvent la main tout de suite, là. C'est comme, ils veulent gagner, là. Ils veulent être les plus vite à lever la main. Fait qu'à ce moment-là, je les fais choisir. Fait que, je sais pas pour vous comment votre Zoom fonctionne, là, mais moi, je leur dis qui je vois dans mon écran parce que je peux juste en voir 4 à la fois. Fait que c'est pour ça que je fais comme ça. Si vous vous en voyez plus, ben, vous pourrez dire qui est-ce que vous voyez. Donc, voilà. Puis, je les fais ouvrir les cinq contenants comme ça. Puis, une même personne pourrait piger plus qu'un un contenant. Fait que, mettons que vous avez 3 personnes qui sont présentes, 4 personnes qui sont présentes dans votre Zoom. C'est pas une raison de pas faire votre jeu du porte-clés. Je l'ai déjà fait avec 3 invités. Puis, j'ai quand même fait ouvrir tous mes contenants et j'ai daté 2 démos. Donc, il n'y a rien d'impossible pour ça. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir à fournir 2 cadeaux. Pour les invités qui vont avoir ouvert vos 2 contenants de cadeaux. Et un 3e cadeau pour votre hôtesse parce que les 5 contenants vont avoir été ouverts. Donc, pour les cadeaux, je vous suggère soit de donner des bols datés, de donner des petits contenants là, que vous allez avoir eu en cadeau de votre directrice, en cadeau parce que vous allez avoir reçu des défis. Donc, essayez que ça vous coûte pas cher. Puis, pour notre hôtesse qui a fait ouvrir ces 5 contenants, là, vous pouvez la gâter avec un cadeau un petit peu plus gros si vous le souhaitez. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est du jeu du porte-clés. Donc, c'est vraiment de l'amener pour vraiment être au clair de ce qui est contenu dans le jeu du porte-clés. Moi, je vais avec l'humour. Les gens trouvent ça bien drôle, mais en même temps, ils savent très bien questionner. Fait qu'il faut vraiment qu'ils sentent qu'il y ait de l'engagement là-dedans parce que sinon, vous allez juste faire ouvrir des porte-clés puis il n'y a rien qui va se passer avec ça. Fait qu'il faut vraiment être clair avec eux de ce que ça comprend d'ouvrir un porte-clés. Donc, voilà. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter du bon succès dans vos parties, puis plein de démos datées. Bye!